Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des sorties livresques du mois d'octobre. Et je peux vous assurer que je suis bien contente d'être née au mois d'octobre parce que il y a tellement de livres qui m'intéressent au mois d'octobre que je vais pouvoir m'en faire offrir pas mal pour mon anniversaire. Et ça m'arrange parce que vraiment, c'est la première fois que j'en note autant. Vous n'allez pas bien voir, mais enfin, il y en a encore derrière. Voilà. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui me tentent et j'ai pas tout noté, dites-le vous quand même. Voilà, donc on va commencer parce que je sens que sinon ça va durer 3 heures. Comme d'habitude, pour les 3 quarts des romans, je vais pas vraiment faire de résumé, soit parce que je n'ai pas envie de savoir de quoi parle le livre, soit parce que certains livres sont tellement attendus que finalement j'ai quand même le sentiment que le résumé n'est pas vraiment utile en fait, donc voilà. Alors, donc on va commencer par le 4 octobre où sort une romance chez la collection Et Moi qui s'appelle Pour le jeu de R.S. Gray. C'est une romance qui se passe à la fac il me semble, et en fait on va suivre une jeune fille en fait qui veut faire du foot. Alors j'aime bien le sujet, je trouve ça assez intéressant. J'aime bien les romances qui se passent autour du sport et tout, et là je trouve ça vachement cool que ce soit une jeune fille qui veuille aller faire les JO en fait en football. Je trouve ça vachement intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas, et de façon générale j'aime bien les romances de la collection Et Moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis aussi bien sûr noté la sortie de Origine, donc le tout nouveau livre de Dan Brown, donc qui sort chez J.C. Lattès. J'adore Dan Brown, je les ai tous lus. J'adore ce que fait cet auteur, j'aime beaucoup les thrillers ésotériques et j'adore la plume de ce mec. Je trouve que les adaptations ciné sont géniales. Géniales. Du coup, j'attendais avec une grande impatience d'avoir un nouveau roman entre les mains et je peux vous assurer que je suis vraiment joie, mais joie à un point hallucinant. Donc voilà, donc le 4 octobre chez J.C. Lattès, on sera au rendez-vous pour Origine de Dan Brown. Donc voilà, on va passer maintenant au 5 octobre, et le 5 octobre c'est juste la débandade. J'avais même plus de place pour noter en fait, et après je me suis souvenu d'autres livres, il a fallu que je les rajoute en bas, enfin bon bref, le bordel, il y a vraiment beaucoup beaucoup de sorties. Donc le 5 octobre sort Outliers, le tome 2 de Kimberly McCraig. J'avais vraiment très très moyennement aimé le tome 1 que j'avais lu en lecture commune avec Maud de la chaîne Des livres une fille. Le tome 1 c'était... j'étais pas complètement convaincue. Le tome 2 sort, je me le suis noté, je vais pas du tout me ruer dessus. Je crois que de tous ceux que je vais vous présenter c'est celui qui me fait le moins envie, mais je sais pas, j'avais quand même envie de me le noter. C'est souvent comme ça quand j'ai lu le début d'une saga, donc voilà, je me le suis noté, mais c'est pas une... c'est pas un indispensable en tout cas pour moi. Ensuite on a Heartless de Marissa Meyer chez PKJ. Je vais pas vous faire un résumé, je pense que quand il est sorti en VO, on en a déjà entendu parler partout, donc je vais pas vous faire l'affront de vous raconter de quoi ça parle. Je trouve la couve française plutôt jolie, et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, parce que j'ai envie de découvrir Marissa Meyer dans autre chose que dans les Chroniques Lunaires. Donc voilà, j'ai hâte, vraiment. Sort également le tome 2 des Insurgés de L. Kennedy, qui s'appelle Addiction. J'ai le tome 1 que je lis demain, voilà, vous savez tout, que je commence demain. Normalement je dois recevoir le tome 2 le mois prochain, j'ai très envie. Je vois beaucoup de chroniques ou de retours positifs sur cette saga. C'est de la dystopie romantique, rien que le truc, moi j'adore la romance, j'adore la dystopie, je me dis ça peut être que génial. J'aime beaucoup la plume de L. Kennedy, donc je pense que ça va le faire. En tout cas, voilà, le tome 2 sort en octobre. Le 5 octobre sort également La Cité de l'oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. Alors, si je me souviens bien, on est dans une cité où tous les 12 ans, c'est ça je crois, 10 ou 12 ans, je ne sais plus, tout le monde oublie en fait. Il y a un grand burn-out, non, blackout, n'importe quoi moi. Un grand blackout et en fait tout le monde oublie tout, sauf une jeune fille qui s'appelle Nadia qui, elle, ne va pas oublier. Voilà, c'est la seule chose dont je me souvienne. Et franchement, ça me donne trop envie. Normalement, je dois le recevoir et j'ai vraiment hâte. En plus, je trouve que la couve est très jolie, très énigmatique. Elle donne vraiment envie, en fait. Et c'est un livre que je lirai avec grand plaisir. Sort également Girlhood de Kate Clark, donc le nouveau Kate Clark, que j'attends depuis très longtemps. J'avais vu, moi, que sa sortie avait été prévue au départ en septembre, puisque je l'avais vu dans les sorties de septembre. Finalement ça avait disparu des sorties de septembre. Là on nous l'annonce pour le 5 octobre. J'espère que ce sera bien le 5 octobre. J'espère, voilà. Et c'est chez à la collection R, bien sûr, comme tous les Kate Clark. On a également A Good Girl de Amanda K. Morgan, qui sort aux éditions Lumen. Je ne sais pas grand chose de ce roman.
En tout cas, le peu que j'en ai lu me donnait hyper envie. Alors, je vais pas vous faire l'affront de faire un résumé, parce que je vais vous raconter des conneries, donc allez voir. Mais il a l'air hyper intriguant, et j'ai très envie de le lire. Voilà. Puis c'est un Lumen, j'aime bien Lumen, voilà, c'est comme ça. Ensuite, je vous ai dit, le 5 octobre, c'est un truc de fou. Ensuite, sort un livre qui s'appelle Keep Me In Mind, de Jamie Reed. Donc, il sort aux éditions La Martinière J Fiction. Alors, d'après ce que j'ai vu dans le communiqué de presse que j'ai reçu, on suit une jeune fille, alors je sais plus ce qui lui arrive, un accident ou un truc comme ça, et quand elle se réveille, il y a un jeune homme à côté d'elle qui s'appelle Liam et qui prétend être son petit ami. Elle va pas vraiment le croire parce qu'en fait elle se souvient de tout sauf de lui. Lui, pour lui remémorer en fait leur histoire et tout, va commencer à lui écrire leur histoire, mais ça cache quelque chose. Voilà. C'est tout ce que j'en ai retenu, ça m'a intriguée et interpellée. Donc voilà, je l'ai demandé, donc normalement celui-là je l'aurais, mais il m'intrigue. Voilà, il m'intrigue. Donc on verra ce que ça donne. Il y a également un autre roman qui sort, donc Agence Mysterium, le fantôme de Saint-Malo, de Loïs Le Borgne, aux éditions Scrinéo. Alors, Loïs Le Borgne ? Non, Luc Le Borgne, c'est pas ça ? J'ai un doute. Non, c'est Luc ? Oui, c'est ça. Bref, j'avais lu son précédent roman que j'avais pas trop aimé, mais celui-là, il a l'air un peu plus jeunesse. Ça se passe à Saint-Malo, des jeunes qui mènent une enquête. Enfin, Saint-Malo, moi j'habite à Rennes, je suis à côté, enfin tu vois, c'est ma région. Et je sais pas, il me fait vachement envie ce roman. Donc, puis c'est de la jeunesse, donc je me dis ça peut être vachement cool. Et celui-là, je pense que j'essaierai de le trouver d'occasion, mais dès que je le trouve, je pense que je me le procurerai, c'est sûr. Et il y a également Entre deux mondes de Olivier Norek aux éditions Michel Lafon qui sort le 5 octobre. Je suis verte de rage parce que Séverine l'a reçu. Voilà, j'ai envie de pleurer parce que moi je le veux. Mais bon, c'est pas grave, je vais me l'acheter. Voilà. Vous savez, l'amour inconditionnel que je porte au livre d'Olivier Norek. J'ai adoré sa trilogie avec Victor Coste. Là, ça parle d'autre chose. Mais j'ai tellement envie de replonger dans ses écrits, de retrouver tout ça en fait, que j'ai trop trop hâte d'avoir ce livre entre mes mains. C'est un truc de fou quoi. Donc voilà, notez-vous bien que le 5 octobre, il y a le nouveau Olivier Norek qui sort. On va du coup passer au 11 octobre, où là on a deux livres, dont un que vous êtes sûr que j'ai déjà précommandé, hein, voilà. Il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, donc c'est la saga spin-off de Six of Crows. Vous savez à quel point j'ai aimé Six of Crows. Grisha, c'est la saga spin-off, donc il parle des Grisha, donc des sorcières qu'on retrouve dans Six of Crows. J'aime beaucoup la couve, alors sur l'affiche ils mettent un bandeau, je sais pas s'il va y être ou pas, j'ai un peu peur. Mais de façon générale j'achète tous les romans de Leigh Bardugo qui sort, j'ai acheté Wonder Woman, oui c'est ça, donc forcément j'achèterai Grisha et je pense que celui-ci, ça va être, vous savez ces livres où on les reçoit et en fait on les met pas dans la palle, on les reçoit, on les pose à côté, le temps de finir celui qu'on a déjà en cours et hop on attaque, voilà. Et toujours le 11 octobre sort The Covenant, le tome 1. Il y a une mouche aussi grosse que ma main qui vient de passer. Bref. Donc, The Covenant, tome 1 de Jennifer L. Armentrout. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir. C'est une saga, je pense, un peu dans la lignée de ce qu'elle a pu faire en young adulte. Et voilà, j'ai trop hâte. C'est un truc de fou. Et je suis sûre que ça va être génial. Voilà. Mais je ne veux rien savoir. Surprise totale. On va passer du coup au 12 octobre, où pareil, là j'en ai pas mal. Donc j'en ai un, c'est un manga, je vous parle rarement des sorties manga, mais celui-là je pense qu'il peut en intéresser certains d'entre vous. Donc il s'agit de La fillette au drapeau blanc, je vais lire pour les noms d'auteurs, donc de Saya Miyoshi et de Tamiko Iga. Oui c'est ça, Iga. Alors, dans ce livre, on est en 1945, pendant la guerre. La petite, elle vit sur une île qui est assez protégée. Son père, alors je sais plus, il y a l'un des deux parents qu'elle a déjà plus. Et au moment où la guerre va vraiment exploser, en fait, son autre parent va devoir partir et elle va se retrouver toute seule. Elle va devoir se débrouiller pour survivre. Et voilà, c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse énormément, de pouvoir vivre la Seconde Guerre mondiale point de vue japonais. Je trouve ça super intéressant et de suivre une petite fille comme ça, je pense que ça va être très touchant. J'ai pas vu les planches donc je peux pas savoir, je peux pas vous dire non plus comment vont être les dessins, mais rien que la couverture, je trouve que ça a l'air d'être quand même empli de douceur, même si le sujet est assez difficile. Et j'avoue que celui-ci, je pense que c'est quasiment sûr que je vais craquer parce que ça a l'air vraiment d'être une très belle histoire en fait. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler.
À la même date sort Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version illustrée. Voilà, il en sort un tous les ans, donc forcément il en sort un cette année. Je pense pas me l'acheter parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon anniversaire est fin octobre. Donc je pense plutôt me le faire offrir ou attendre de voir si quelqu'un me l'offre. Et si personne ne me l'offre, et bien je me l'achèterai. Voilà, tout simplement. Mais voilà, forcément c'est une sortie qui est notée. Parce que bon, c'est Harry Potter quoi. Voilà. Ensuite sort le nouveau Kati Cassidy qui s'appelle Les 5 lettres du mot cœur. Pareil, j'ai pas lu le résumé. Normalement je devrais le recevoir de la part des éditions Nathan. C'est... Non mais sérieux, elle est énorme. Je suis désolée, ça me perturbe. Elle est sortie. Donc voilà, c'est un nouveau Kati Cassidy. Maintenant vous savez que depuis que j'en ai testé quelques-uns, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'irai les yeux fermés et avec grand, grand plaisir. Sort également La prunelle de ses yeux de Ingrid Desjours en version poche. Je tenais absolument à vous le signaler parce que j'ai adoré ce livre. Je crois d'ailleurs que c'est un de mes préférés de Ingrid Desjours. Et du coup, il faut y aller. Il sort en poche au mois d'octobre. Foncez, foncez, foncez. Ce livre est génial. Je suis désolée pour la luminosité, mais il y a un gros nuage. Ensuite, il y a un nouveau livre de Charlotte Bousquet qui sort en octobre, le 12 octobre, qui s'appelle « Celle qui venait des plaines ». Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux rien savoir, je veux juste savourer ce roman. Comme à chaque fois, je veux rentrer dans le livre. Je fais complètement confiance à Charlotte Bousquet, donc voilà. Et il sort aux éditions Collection Électrogène, aux éditions Gulfstream. Mais il ne veut pas partir, le nuage. Et sinon, chez Scrineo sort Les Hauts Conteurs Origines de Olivier Perru. Pareil, celui-ci, je pense qu'il y a de fortes chances que je craque. Il me fait trop envie en fait. Maud m'a offert dans notre swap Druide d'Olivier Perru, que j'ai commencé, que j'ai mis en pause parce que j'avais un autre truc à lire, mais que je vais reprendre très bientôt. Et j'aime beaucoup la plume en fait. Et là, les Hauts Conteurs, elle a vraiment génial en fait. Vraiment, vraiment génial. Voilà. On va maintenant passer au 18 octobre. Je vous ai dit que c'était long, que j'avais beaucoup de livres. Donc, le 18 octobre, notez-vous ça sur le calendrier, le tome 1 de La Reine du Tierling sort en poche. Vous savez à quel point j'aime La Reine du Tierling. Il faut aller acheter ce livre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir cette histoire, parce que justement, les grands formats sont quand même chers, foncez, il sort en poche. Foncez, faut pas s'arrêter, faut y aller. Tu rentres dans le bouquin, dans le magasin, tu attrapes le livre et tu vas à la caisse quand même et après tu rentres chez toi et tu le dévores. Voilà. Donc notez-vous qu'il sort en poche. Ensuite, on a L'Appel du Ch'tulu, illustré. Donc L'Appel du Ch'tulu, c'est un livre de H.P. Lovecraft. Et donc là, il est aussi de François Barranger. Ça a l'air vraiment super bien. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Ch'tulu, en gros c'est une histoire d'une secte qui idolâtre un être maléfique et malfaisant, donc le Ch'tulu, je vais pas aller au-delà. Moi j'aime énormément cette histoire, et là ils le sortent en version illustrée, enfin le truc de fou, je suis hyper contente, je me le suis noté, et j'ai trop hâte de le voir, vous imaginez même pas à quel point. Sort également le nouveau livre d'Olivier Guay qui s'appelle La magie de Paris, tome 1, Le cœur et le sabre. Donc il sort chez Castlemore, c'est une nouvelle saga. L'auteur nous en avait parlé un petit peu aux Imaginales. Et c'est vrai que j'avais hâte de voir ça. Et il sort enfin, là, il sort en octobre. Je suis super contente, j'ai hâte de découvrir ça. Et si c'est à la hauteur de Le noir et ma couleur, ça va être génial. Même si je pense que c'est autre chose, hein, mais si c'est voilà, si on retrouve ce même type d'ambiance et tout, je pense que je vais adorer, donc je suis hyper contente. Sort également Les Disparus du Pont de Pierre de Jeanne Fèvre Darier. Désolée, il est très long son nom. Alors là, si je me souviens, on va suivre... Alors il y a une histoire d'un pont, ça doit être vers Toulouse, puisque on parle de la Garonne. Du coup, il y a un pont sous lequel il y a plein de SDF qui disparaissent. Il y a deux jeunes qui vont mener, entre guillemets, l'enquête. Ils vont sympathiser avec un SDF de 16 ans à peu près. Pendant qu'ils mènent l'enquête, et ce jeune homme va disparaître. Donc ils vont commencer à creuser un peu plus et découvrir qu'il y a peut-être même des histoires surnaturelles mélangées à tout ça. C'est pas une de... Oh mais j'y arrive plus. Ce livre n'est pas une de mes priorités, mais j'avoue que ça m'intrigue énormément. Donc si j'ai l'opportunité de le lire, je le ferai avec grand plaisir. Et il sort aux éditions Castlemore. Ensuite, il y a un autre livre sur le Ch'tulu qui sort, qui s'appelle « Fait de beaux rêves, Ch'tulu » de Jason Ciaramella, voilà, et de Greg Murphy. Vous voyez la coupe, comment c'est trop mignon. Le seul truc dont je me souviens, le Ch'tulu n'arrive pas à dormir et c'est H.P. Lovecraft qui va devoir l'aider à s'endormir. Voilà, je ne sais rien de plus. Il y a de l'orage. Et je ne veux rien savoir de plus.
Mais pareil, celui-ci, je pense que si j'ai l'occasion, il rejoindra ma bibliothèque, parce que voilà, c'est tout. On passe du coup au 19 octobre, où j'ai noté deux sorties. Donc d'abord, j'ai noté Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Je me souviens plus exactement du résumé, je sais qu'il y a une jeune fille qui bénéficie du programme de protection des témoins, donc qui recommence sa vie ailleurs. C'est tout, je me souviens plus de la suite, c'est un PKJ, je pense que je me le prendrai, il a l'air vraiment bien, la couve me donne trop envie. Comme quoi le marketing, les gars, ça marche trop bien parce que la couve me donne trop envie. Et voilà, et ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir la plume de cet auteur, donc je me dis que c'est sûrement l'occasion. Parce que si je me trompe pas, c'est celle qui a écrit la saga Hush Hush, et que je n'ai pas lu d'ailleurs, et voilà, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai envie de la découvrir, donc ça peut être bien de le faire par ce biais-là. Et également, le 19 octobre, sort Zalim, le tome 2, de Karina Rosenfeld, qui avait été annoncé pour septembre et qui, finalement, sort le 19 octobre. Donc j'espère que cette fois, c'est la bonne date. Mais bon, ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Celui-ci, c'est pareil, je pense me le procurer, mais... voilà. Ou alors, faut que j'ai des cartes cadeaux à mon anniversaire, ça va peut-être être plus simple, en fait. Mois d'octobre, c'est une catastrophe. On passe maintenant... Oui, parce que c'est pas fini. On passe maintenant au 20 octobre, où sort... deux livres de Susan Wright, donc d'abord La Meute du Phénix, le tome 6, qui est sur le personnage de Tao. J'avais pas acheté le tome 5 parce que j'attendais que le 6 sorte, donc moi je vais pouvoir acheter le tome 5. Et sort également La Meute Mercure, le tome 1, c'est sur Darren Hudson. Donc c'est une saga spin-off en fait. La Meute Mercure, c'est une meute qu'on rencontre dans l'histoire en fait de La Meute du Phénix, donc voilà, ce sera l'histoire de cette haute meute. Et ouais, ça m'intrigue et ça me donne vachement envie en fait, donc voilà. Et également sort un livre des collections Harry Potter qui est sur le traité des baguettes, donc je mets l'image là. Alors il y en a plein qui sortent, il y en a toujours beaucoup qui sortent, mais dans tous ceux qui vont sortir prochainement, c'est vraiment celui-ci qui me fait le plus envie. Parce que voilà, je trouve les baguettes magnifiques et j'aimerais en savoir un peu plus en fait, donc voilà. Et c'est bientôt fini, je vous rassure. Donc le 26 octobre sort le tout nouveau Colleen Hoover qui s'appelle November... 9, donc de Colleen Hoover, aux éditions Hugo. Les Colleen Hoover, je ne regarde jamais les résumés, donc je peux pas vous en parler. En tout cas, j'ai hâte, mais c'est à la fin du mois, voilà. Sinon, le dernier livre que je me suis noté, c'est une sortie du 31 octobre, donc il s'agit de Chronique Homéride, le tome 1, Le Souffle de Midas, donc de Alison Germain, donc de Lily Bookin. Mais je pense me l'acheter aux Aliénales, donc parce qu'il sera en pré-vente, donc je pense me l'acheter là-bas, donc je l'aurai déjà avant la fin du mois. Il m'intrigue énormément, j'aime bien les romans qui touchent à la mythologie, donc voilà, ça m'intrigue beaucoup, ça fait longtemps que je l'entends parler de ce livre et je suis vraiment très intriguée, donc celui-ci c'est clair que de toute façon je vais l'acheter aux Aliénales quoi, donc voilà. Et sinon dans des sorties pas sûres, j'ai cru voir, alors je ne suis pas sûre de ce que je dis, j'ai cru voir passer que le tome 3 et 4 de la saga de Ilona Andrews allait sortir, donc voilà, je suis pas complètement sûre, ça devrait sortir chez MXM Bookmark, j'arrive pas trop à avoir l'info, donc voilà, faudrait que je vérifie, mais il me semble que ça sort fin octobre, mais je dis peut-être des conneries, donc c'est pour ça que je le signale vite fait à la fin, mais je vous confirme rien, voilà, c'est tout, et j'ai trop parlé. Je crois que c'est la vidéo sortie livresque la plus longue que j'ai pu faire, comme vous pouvez voir, en octobre c'est de la folie, mais c'est un truc de malade. J'espère qu'après ça se calme parce que ma pile à lire et mon portefeuille ne peuvent plus quoi au bout d'un moment. Voilà. Hein. En tout cas voilà, c'est que du bonheur, que des magnifiques sorties. J'ai hâte d'avoir tous ces livres, de pouvoir les lire, les découvrir et voilà, c'est tout. J'adore fouiner pour essayer de voir ce qui va sortir le mois d'après ou le mois d'encore après. Voilà, c'est un truc que j'aime énormément. En tout cas, j'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre du mois d'octobre que vous êtes sûr de vous procurer. S'il y a des sorties que je ne me suis pas notées et qui ont l'air sympas, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. J'ai hâte de vous retrouver en tout cas dans les commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être toujours là et de soutenir tout ce que je fais, etc. Vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.